Et bonjour à tous, c'est Eli, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo du mercredi sur le jeu Pokémon Insurgents. Je sais pas comment on prononce ça. Je suis désolé, là, sur ce jeu, il n'y a pas d'écran d'accueil. Ça m'a amené ici. Donc, bon, c'est pas grave, hein. Je vous assure que c'est bien le jeu Pokémon Insurgents. Donc, on va y aller. Pourquoi j'ai une page internet qui s'ouvre, moi, n'importe quoi. Alors, on va y aller. Et puis, on va découvrir ce jeu, je vais vous en parler. Contrôle, tiens, parce que. Là, c'est un peu bizarre les contrôles. Ouais, action, c'est C, c'est ce que je me disais, c'est trop bizarre. Je peux pas changer? Bah, tiens, pourquoi je peux pas changer? Ah, mais non, mais on n'a pas le choix en fait, ok. Ok, je croyais qu'on pouvait changer, mais non. Z pour courir, ok. Bon, on va s'en sortir. Et comment je fais pour faire retour par exemple? X? Non? Ok, oui, c'était bien X. Très bien. Ah, vous avez vu aussi un truc qui est bien sur ce jeu avant que je vous parle un peu plus du scénario, c'est qu'on peut faire 3 sauvegardes. Donc ça c'est vraiment cool parce que si vous êtes je sais pas plusieurs à jouer à ce jeu et puis même si vous voulez commencer vous-même plusieurs parties, vous avez jusqu'à 3 sauvegardes, ce qu'on trouve très rarement. Donc c'est franchement cool. Bon, par contre non, on n'a pas de sauvegarde, je sais pas pourquoi j'ai appuyé sur C du coup. Là oui, c'est un petit truc qu'ils m'ont mis avant par rapport aux polices d'écriture. Bon, on va commencer. Alors, Pokémon Insurgents, qu'est-ce qui se passe? Bienvenue à Pokémon Insurgents. La version actuelle est une... voilà, c'est oui, c'est une bêta, hein, c'est pas la version finale. 1.0 avec 3 badges et un boss final à peu près du niveau 50. Ok, région de Tauren. Alors, je sais pas ce qui se passe, je vous parle du jeu un peu plus juste après. Il y a un an. Là, je veux juste voir cette petite animation. Ah, c'est classe. Qu'est-ce qu'il y a? Mesdames et messieurs, je sais pas si vous voyez très bien, je trouve que la couleur qu'ils ont mis c'est pas top. Ils auraient dû mettre noir parce que là on voit pas très bien. Ladies and gentlemen, donc mesdames et messieurs, je suis sûr que vous savez pourquoi vous êtes ici. Une grave perte, il y a une grave perte pour la région. Qu'est-ce que c'est? L'augure était un homme super, était un homme génial, c'était un héros et quelqu'un de, voilà, quelqu'un de bien. Il nous a protégés, nous et nos familles. Vous l'avez connu comme un héros, l'homme qui a battu 5 personnes du culte. Oui, le culte, c'est une sorte d'organisation, je crois, c'est un peu bizarre, qui est dans la région. C'est et l'augure, je vous en parle maintenant un peu. L'augure, c'était l'homme qui combattait, c'était le seul homme qui combattait. Et ça, c'est peut-être le deuxième augure. Vous verrez, normalement, c'est pas un homme très sympathique. Enfin bon, c'est pas une région très joyeuse, j'ai l'impression. Mais bon, on va en apprendre plus. Il est l'homme, il est le meilleur homme que la région de Tauren ait jamais connu. Mais, il va dire qu'il est le nouveau augure, non? Le nouvel augure. Comme vous le savez, la région de Tauren est, c'est la maison de plusieurs cultes. Enfin de, ouais, il y a plusieurs cultes dans la région de Tauren. Je sais pas de Tauren, je sais pas comment dire. Hein. Ces cultes contiennent des gens vraiment. Enfin, il y a des gens qui en font partie qui sont vraiment terribles. Des voleurs, des assassins et encore pire. Bon, pire que des assassins. L'augure est devenu un héros après qu'il s'est occupé de 5 de ces cultes de la région. Il a sauvé toutes nos vies. Il y a une semaine. He went looking for one. Hein. Oui, voilà, il était à la recherche d'un des cultes qu'il y a encore. Donc en gros, il n'y a pas tous les cultes, on ne s'est pas encore débarrassé de tous les cultes. Il n'est toujours pas revenu. Il n'a pas été vu depuis. Jean de Tauren. Mais comme. Mais, comment? Ne croyez pas que l'augure est mort. Je vous assure, je travaillerai sans relâche pour être sûr de retrouver notre augure. Ok. Avec un cœur lourd, acceptez. Accepter la mort, non? Jusqu'à que le premier augure est trouvé, je deviendrai le second augure, le deuxième. Je vous promets que j'utiliserai toutes les ressources à ma disposition pour le trouver. Ces cultiveurs, je sais pas comment on dit, m'ont tout pris, nous ont tout pris. Ils ont pris ceux que nous aimions, ont pris nos maisons et maintenant, ils ont pris notre héros. Je vous assure, nous ne vivrons pas comme ça. Nous ne nous laisserons pas faire. Ces terroristes, ces insurgents. Ok, ils ont détruit notre maison, ils sont pas gentils, on a compris. Longue vie à la région de Tauren, longue vie à la région de Tauren. Nous resterons forts. Ok, bah, sacré discours, hein. Oh, dis donc. Sacré discours.
Est-ce que tu voudrais faire un change run of this game? Non, non, pas, non, pas particulièrement. Oui, j'en suis sûr. Il est mignon, le petit ectoplasma derrière. Et peux-tu m'entendre? S'il te plaît, tu as besoin de m'entendre. Enfin, tu dois m'entendre. Qui c'est qui me parle? Oh, merci, Arceus. Tu n'es pas encore parti, quoi? Tu dois me laisser. Attends une. Ça va revenir maintenant. Tu as besoin de rester concentré et tu te souviendras de tout. Tu peux ne pas enlever ça de ta mémoire. Oh, c'était le cri de quoi ça? Ok, je me souviens de mon nom. Bah, je vais mettre Ellie. Voilà. Es-tu sûr? Oui, j'en suis sûr. Ok, très bien. Tu te souviens de ton nom. Et de quoi d'autre te souviens-tu? Es-tu un garçon ou une fille? Alors, j'ai vu la fille, je trouve pas mal. Une petite blonde. Non, je rigole. Non, en vrai, le garçon, je trouve qu'il est pas trop changé, mais la fille était sympathique. Ah, on peut choisir plusieurs filles. Ça, c'est cool. Ah, je sais pas. Tiens, les cheveux violets, j'aime bien les cheveux violets. Bien. Ok, c'est un bien ectoplasme, on a vu son sourire. Ah oui, mais du coup, je suis une fille qui s'appelle Ellie. Ah oui, c'est pas grave. Avant, je t'ai envoyé. Tu as besoin de te réveiller. Oh là là, mais il y a plein de mots que je comprenais pas. Bref, en gros, on se réveille de je sais pas trop où. Là, on est dans une sorte de culte, une secte. Je sais pas, ils doivent être une secte vouée à Darkrai. Darkrai. Très bien, la porte est fermée et j'ai donné les instructions à. J'ai dit à Ectoplasma qu'il pouvait utiliser des vos rêves. Donc ça va manger, il va se nourrir des rêves du prisonnier et de la mémoire jusqu'à qu'il ne reste plus rien. Donc il va pas se réveiller tout de suite. Donc de toute façon, c'est pas comme s'il avait un Pokémon pour se défendre de Ectoplasma. Ils sont vachement bien faits, je trouve. Comment va les mémoires du prisonnier? Bon, en gros, il dit que notre mémoire devrait plus être là depuis dans 1 heure. Excellent. Dès que sa mémoire est partie, nous devrons. Enfin, bargain, ça me dit quelque chose, je sais plus ce que c'est. Bref, en gros, ils partiront, non? Je sais pas. Bon travail, vous deux. Nous allons bientôt commencer le rituel. Est-ce que vous pouvez venir ou alors vous devez rester ici à l'ordinateur pour superviser, pour voir si tout se passe bien? Non, on n'a pas besoin de superviser. En gros, ils vont venir au rituel. Ok, donc il les attend au bidule. Miss White. Ah, mais d'accord, il arrêtait pas de dire Miss quelque chose. C'est elle en fait à droite, là, cheveux blonds. Là. Enfin, cheveux blancs. Attendez, Miss, j'ai une question. Après que les mémoires du gamin soient parties, qu'est-ce que vous prévoyez de faire avec elle, avec les mémoires, je pense? Non, avec eux, avec lui. Ah, il doit y avoir plusieurs enfants. Je pense qu'il doit y avoir plusieurs enfants. Les tuer, bien sûr. Je vous attends dans 2 minutes. Oui, c'est assez sombre. Les musiques, en tout cas, sont super sympas. J'aime beaucoup. J'espère que vous les entendez. Regardez, je me tais 2 secondes. Enfin, voilà, ça nous met dans l'ambiance un peu lourde, un peu flippante. Ah là là. Mais pourquoi on s'encombre de prendre leur mémoire si on va les tuer juste après? Bah, je ne sais pas, mais ne demande surtout pas ça devant elle. Tu sais qu'elle déteste qu'on lui pose des questions. Allons-y, c'est toujours marrant de voir un rituel. Ok, bon, et nous, on est en train de. On n'est pas très bien là. S'il te plaît, Ellie, réveille-toi. Oui, je veux bien me réveiller. Mais attends, mais l'ectoplasma, il est de notre côté ou pas? Oh, c'était quoi ce bruit? Mais attends, mais l'ectoplasma, t'es de notre côté ou pas? Je comprends pas. On est peut-être ectoplasma. Ah, c'est Mew, oh, énorme! Oh, vous entendez le cri? C'est énorme. Mew, oh, c'est tellement gentil de ta part de nous sauver. L'ectoplasma est parti. Tu peux te réveiller maintenant. Le Mew va te. Voilà, en gros, tu vas t'échapper grâce à Mew, hein. Tu as de la chance, à plus tard. Ok. Oh, on est vachement bien fait, j'aime beaucoup. C'est quoi Start? Attendez, je vais tester. Je vais tester toutes les touches. Non, ok. E. Alors, pour une raison que j'ignore, c'est Select. Très bien. Oui, c'est bon, j'ai compris. Alors, et comment je fais pour. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Non, 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 je n'ai rien fait. Ah, ok, ah, mais c'est X. Ah, X, ça fait retour et ça fait start. Ok. Alors, Pokémon, mince, c'est C. Oh là là, faut que je m'y habitue. Ah, ok, on a un Mew comme ça, niveau 65. Ok.
Y a pas de souci. J'aime beaucoup comment c'est fait. Oh, le cri, j'adore. Vous avez vu? Culte de Darkrai. On est au culte de Darkrai. Purée. Il a quoi comme attaque? Il a psycho. Oh, je trouve ça super bien fait ce jeu. Donc voilà, je vous ai un peu parlé du scénario. Vous voyez, on se retrouve enfermé dans ce culte. Et franchement, il y a plein de jolies choses, plein de jolis graphismes, plein de trucs qui ont été modifiés. Je l'ai pas précisé, mais c'est pas un hack, c'est un fan game. C'est vrai que je me suis dit que enfin, je me suis dit que j'allais me mettre un petit peu au fan game. J'ai fait beaucoup de. Ah, bah tiens, une potion. Ah, ça c'est cool aussi. J'ai fait beaucoup de vidéos découvertes, de vidéos tout court sur des jeux hackés. Maintenant, c'est vrai que je me mets un petit peu au fan game avec Pokémon Reborn, Pokémon Rator X et maintenant Pokémon Insurgents. Et puis, si j'ai voulu vous faire cette vidéo sur ce jeu précisément, c'est parce que j'ai vu que du côté des youtubeurs anglais, il y en avait pas mal qui se sont mis tout d'un coup à faire des vidéos sur ce jeu depuis une ou deux semaines. Et bon, c'est pas la fin, mais c'est que la version de ce jeu a dû sortir. Donc, bon. J'ai cru voir un truc aussi, c'est à vérifier, je suis pas sûr du tout. Mais d'ailleurs, regardez dans la description de la vidéo, je dirai si c'est vrai ou non. Ce jeu aurait été fait par les mêmes personnes qui ont fait Pokémon Zeta et Pokémon Omicron. C'est pas un jeu que j'ai fait en vidéo découverte, mais c'est un jeu, un fan game qui est assez connu. Gaius, notamment, je pense que vous connaissez, avait fait une vidéo dessus. Et ce serait le même développeur qui s'appellerait The Suzerain. J'ai vu ça, mais je suis pas sûr, je vais vérifier. Je vérifierai. Déjà, Insurgents, c'est sûr, c'est The Suzerain. Et pour Pokémon Zeta et Omicron, je vous dirai dans la description, je vous confirmerai, je verrai si c'est bien ça. Ah, Mew, qu'est-ce qu'il me dit? Il tient une note. Qu'est-ce que c'est? Bonjour à nouveau, enfin encore. J'ai choisi Mew pour t'aider grâce à sa capacité spéciale. Comme tous les Pokémon légendaires ou les Pokémon mystiques, Mew a la capacité, a une capacité que les autres Pokémon n'ont pas. Mew est capable d'utiliser la capacité de transformation pour se déguiser en quelque chose d'autre. Cependant, Mew requiert de l'ADN de quelque chose, enfin de la chose en laquelle il doit se transformer. Si tu peux trouver de l'ADN, Mew peut se transformer en une personne différente et te déguiser toi aussi. Tu peux utiliser cette capacité pour te cacher de tes ennemis. Tu peux utiliser ça pour t'échapper de la base. Bonne chance, ton ange gardien, en gros, je sais plus. Ok, alors on va chercher sûrement hein, des gens habillés en Darkrai, je pense. Ah, c'est pas de. C'est pas du sang. Oh, c'est dégueulasse. Ah, j'adore. Non, enfin, que je ne sois pas mal compris, hein. J'adore pas le sang, mais je trouve ça super bien fait. J'aime bien les ambiances sombres. Ah, oui, mais du coup. Transforme. Ouais, Darkrai. Oh, énorme. Oh, c'est-à-dire que tout le long, si on le garde, on pourra. Enfin bon, oh, je trouve ça vraiment cool. Ah, on peut pas aller sur le vert, je sais pas ce que c'est le vert. Bon, on va aller voir les portes. Je pense que maintenant les portes là qu'il y avait sur les côtés, on peut les ouvrir. Donc on va tester. Voir si on essaye. Dedans, hein. Ouais, c'est bon, ça s'ouvre. Cool. Alors je sais pas du tout où il faut aller, hein. J'ai juste vu des vidéos dessus. Mais c'est vrai que j'ai pas joué énormément. Donc là, je sais pas trop où il faut aller. Tu devrais pas être au sacrifice avec les autres. Ouais, c'est vrai que je devrais y être, hein. J'y vais tout de suite. Est-ce qu'il faut remonter là d'où on vient? Je pense pas, non? Ah, peut-être par là. Ah, on va récupérer ça. Ça m'a l'air d'être une anti-gel, anti-brûle, je sais pas. Ah oui, anti-gel, j'avais raison. Hein. J'avais raison. Antidote, c'est violet. Oh, c'est cool qu'au moins on voit les objets qu'on prend. Je trouve ça vraiment, vraiment bien. Par contre, me donner des potions alors que j'ai un Mew qui a 200 de PV, ouais, c'est pas forcément le truc le plus utile. Hein. Mais bon, pas grave, c'est très gentil de ta part déjà. Est-ce qu'on peut y prendre les paquets? Non? Bon, on va aller sur la gauche, on va essayer de trouver le lieu du sacrifice. Puisqu'apparemment, on doit se rendre là. Enfin, quoi que ça aurait été intéressant de s'échapper aussi, mais. Ah, ça, c'est encore un. C'est pareil. Ah, j'ai sauvegardé. Oh, avec V, on peut sauvegarder direct. Énorme. Ah, oui, on n'a pas à se casser la tête à. Ça prend pas 20 ans. Là, j'ai appuyé sur V sans faire exprès en plus. Parce que c'est juste à côté de C. Et direct, ça a sauvegardé. C'est cool. Ah, ce jeu est vraiment bien. Je le ferai peut-être pas tout de suite en let's play. Parce que je sais pas trop comment ça marche. Comme c'est pas les versions finales. Voilà, j'ai envie de jouer quand même à la version finale. Mais au niveau des sauvegardes, quand on doit. Comment dire, avec les jeux hackés, avec un émulateur, je savais comment sauvegarder et puis reprendre une sauvegarde. Mais là, je sais pas comment reprendre une sauvegarde avec un autre jeu, donc je sais pas trop comment faire. Perséphone, donc Perséphone, c'est la dame avec les cheveux blancs de tout à l'heure qui parlait aux gens qui étaient habillés en Darkrai. A finalement décidé de donner
Une autre chance. Pour être honnête, je pense pas que ça va marcher. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? Et donc nous commençons. Miss, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas faire ça. Je vous ai servi loyalement tout ce temps. Et tu vas continuer à le faire. Tu as fait une. Tu as fait le serment quand tu t'es joint à notre culte que tu donnerais ta vie pour nous. Maintenant, je. Ah oui, je vais juste réclamer ce que tu as dit. Activez le cercle du rituel. Oh non, il va mourir. Darkrai, le dieu des ténèbres. Je t'appelle dans cette nuit de ténèbres. Non, je t'appelle en cette nuit ténébreuse d'entrée dans notre monde. En retour, je t'offre l'âme de ce servant loyal. Et voilà, tu pourras profiter de ces cauchemars pour toujours. Voco virtutam umbrarum dominum. Oh purée, je crois qu'il a pris. Hein. Oh énorme. Oh j'adore. Darkrai, le seigneur des ténèbres. Oh c'est Voldemort. Tu es la plus grande balance dans ce monde. Tu punis le bien et Slay d'immortal. Je sais pas ce que ça veut dire Slay. Darkrai, ça fait 1 an depuis la dernière fois que nous t'avons vu. Nous t'avons amené, non, nous t'avons invoqué peut-être dans une chambre pas très loin d'ici. Bien sûr, tu te souviens de ce qui s'est passé. Ah oui, en gros, le truc qu'on a vu il y a 1 an là avec le discours du augure, et ben, ça s'est passé il y a 1 an et là on doit être dans le présent, enfin dans l'histoire, vraiment au temps de l'histoire. Tu te souviens de ce qui s'est passé? Une grande chose s'est passée ce jour-là. Mais maintenant, je t'ai appelé pour te demander de te joindre à nous. Seek me out, je sais pas trop ce que ça veut dire, seek me, je le vois souvent ce mot. Bref, je sais que ma sister, ma soeur, t'a vu de temps à autre. Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? S'il te plaît, Darkrai, je te le demande, joins-moi, joins mon équipe, joins le culte qui a travaillé pour toi depuis tant d'années, avec ma guide, enfin, je les guide en gros, et ta puissance, le monde pourrait être à nous. Ok, bah qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il s'est barré? Ah merde. Ah ça c'est pas... c'est triste. Encore... Enfin Darkrai a encore décidé d'ignorer mon offre et de partir. Il est probablement allé à Selene City pour aller voir ma soeur. Je crois qu'elle s'est un peu embrouillée avec sa soeur. Qu'est-ce que vous voulez vous deux exactement? Miss s'il vous plaît, je suis sûr que en essayant encore une fois, nous pourrions piéger Darkrai ici. Nous ne savons pas pourquoi ça n'a pas marché cette fois, mais si vous nous donniez une autre chance, en dehors de mon chemin, Miss, s'il vous plaît, madame, donnez-nous une autre chance de plus. En dehors de mon chemin! Oh, Demolos, montre-leur comment le leader du culte des Darkrai s'occupe des désobéissants, de ces incapables sbires. Oh oui, tu leur as. Ah ouais, tu leur as fait déflagration. Ok. Ok, elle va aller vérifier le prisonnier. Je crois qu'elle va un peu s'énerver. Elle va remarquer que bah, le prisonnier est plus là. Oh, trop fort. Ah, c'est vrai que ça donne envie de faire une aventure sur ce jeu, mais ce sera pas pour tout de suite. Aïe, 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 que c'est beau. Que c'est beau. Bon, est-ce qu'on va retourner là où on était emprisonné, je pense. On va rencontrer Perséphone. On arrivait d'où? Je crois qu'on arrivait de la gauche, hein. Il me semble. Ouais, on arrivait de là. Donc on va descendre par là, ensuite on va essayer de retrouver notre chemin, ça va pas être facile. Le problème c'est que je sais pas trop comment on s'arrête. On va déjà essayer de sortir d'ici. Bon on verra, on verra, on verra. Salut. Ah mince, on était arrivé par là, comment on fait? Ah elle allait vérifier le prisonnier. Ok, on peut pas aller la voir. Bon, eh bien, et j'ai vu qu'à droite de là où il y avait la cérémonie là, de sacrifice, eh bien à droite on pouvait aller quelque part. Il y avait un bout de chemin qui se faisait, donc je vais aller vérifier si effectivement il y avait quelque chose à faire là-bas. Puis de toute façon on peut pas retourner à notre chambre de prisonnier du coup. Donc attendez, je vais juste vérifier un truc, je viens juste de penser à quelque chose, on peut lui parler. Ah ok, Mew est content de voyager avec Ellie. Oh c'est gentil Mew, c'est très gentil. Ok, alors on arrive ici. Salut. Est-ce qu'on lui parle? Salut. Pour être honnête, je ne pense. Ok, mais je peux pas prendre. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas où aller du tout.
Bon, surtout qu'il y a un chemin, j'ai vu que dans les vidéos, enfin dans les let's play anglais, il y en a quand même qui sont allés jusqu'à 10 épisodes, donc c'est quand même pas mal. Mais bref, du coup, ils sont pas restés bloqués ici, donc il y a forcément quelque chose. Est-ce qu'on leur parlerait, non? Pourquoi elle est encore partie? Non, je pense qu'ils me disent rien de spécial, tous. Tiens, et toi? Non, tu me dis rien de... Ok, donc on va, il nous, elle nous a, lui, il nous a dit de se barrer, en gros. Donc j'aimerais bien, mais je sais pas par où. Attendez, par là, il n'y a rien. Hein. Enfin, je crois. Ouais, non, il n'y a rien. Si on descend. Non, toujours pas. Donc on va continuer. Mais c'est vrai que je suis assez perdu là. Alors, on va pas aller à gauche, à droite, on n'y est pas allé ici. Si on avait récupéré des objets. Non, il n'y a rien à faire. Non, il n'y a rien à faire, ok. Bah alors on va continuer dans... Je ne sais... Ah, là en bas. Je crois qu'on aille juste au-dessous là. Je crois qu'on peut y atteindre. Ouais, on va aller ici. Ah mais oui, c'était bloqué tout à l'heure. Il y avait un mec qui nous disait, mais t'es pas à la cérémonie? C'est vrai, j'avais oublié. Oh mince. Ok, mais pourquoi on t'a attaqué toi en fait? Qu'est-ce que t'as fait encore? Ok, oh le changement de musique, elle est géniale la musique. Ça fait pas Pokémon, mais ce jeu fait pas... Enfin, ça fait Pokémon, mais en même temps, ça fait pas Pokémon. C'est vraiment fou. Ok. Oh, c'est trop joli. Oh, je trouve ça trop joli. Bon, bah, Mew, par contre, le Mew niveau 65, ça le fait peut-être pas trop. Non, mais on va pas combattre un Nidoran niveau 3 quand même. Hein. Ce sera un peu abusé. Ok, donc on va descendre. Est-ce que j'aurais par hasard la carte? La carte. Oh, c'est trop joli ça aussi. Ah. Oh, attendez. No hat. Mais j'ai pas de... On peut modifier notre apparence. Attendez. Mais non, mais... Ah, mais d'accord, je suis con, en fait. Non, je faisais X. Use. Ok. Ok. Plus de noix. Alors, j'ai tout mis, hein. Je sais pas ce que ça va faire. Non, ça nous a pas changé. Je croyais que ça nous mettait des vêtements, mais j'ai pas trop compris au final. Ah, qu'est-ce que c'est? Mince. Ah, j'appuie sur X. Ok, on peut pas passer par là-bas. On va continuer en bas. De toute façon, je pense qu'on va... On va s'arrêter dans 2 secondes. Il y a une petite flûte et une autre note dans les mains de Mew. Ah, une flûte de quartz. Ok. Quelle est cette note? Ah, j'adore ce petit truc. Ça. Ah, c'est tellement, tellement beau. Oh là là. Il y a vraiment une différence quand même entre les jeux hackés et les fan games. Il y a beaucoup moins de restrictions dans les fan games. Tu peux faire ce que tu veux. Donc tu peux vraiment faire ce que tu veux. Alors que jeu hacké, c'est un peu plus chaud quand même. Bref, la flûte quartz t'autorise, enfin, te permet d'appeler Mew dès que tu en as besoin. Tu peux utiliser la transformation de les capacités de transformation de Mew pour te transformer en quelqu'un d'autre. Ou transformer Mew en un autre Pokémon. Pour l'utiliser, va dans ton sac et utilise-le. Ok. Ton bienfaiteur, voilà, c'est le mot que je cherchais. Bénéfacteur, c'est bienfaiteur. Ok, qui es-tu? Je peux jurer avoir vu Mew juste ici. Juste maintenant. Tu l'as vu? Un brillant Pokémon rose. Il flottait juste à côté de toi. Oui, je l'ai vu, je le savais. J'ai toujours voulu. Ben, en fait, j'ai pas fait exprès de dire oui. Mais donc, on a dit oui, c'est pas grave. Hein. J'ai toujours voulu voir un Pokémon aussi rare que Mew. Ça pourrait être. This could be my break. Ma pause? Non, c'est. Ah, écoute, tu as. Très bien. Mon nom est Damien. Je suis un aspirant, enfin un débutant dresseur Pokémon. Bien, si j'avais un Pokémon et toi tu es Ellie. Oh oui, en gros, il serait un débutant dresseur s'il en avait un Pokémon, mais il n'en a pas. Mais aujourd'hui n'est pas un jour pour se plaindre. L'augure, le plus grand homme du monde, bien sûr, vient à Tel Norton. Tu connais l'augure, n'est-ce pas? On va dire non, fais voir ce qu'il me dit. Comment tu peux pas le connaître? Est-ce que tu as vécu dans une caverne? Le second augure est l'homme qui a stoppé le culte quand ils ont essayé de nous attaquer. Il a uni la région et il est le plus grand héros que le monde ait jamais connu. Bon, il visite notre ville tard aujourd'hui. Le maire et The Townsfolk, je sais pas trop ce que c'est, ont préparé son arrivée. Je suis excité. Ok, c'est bon, tu. Ok, bon, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. C'est vrai que j'ai envie de continuer, c'est horrible. Oh, j'ai trop envie de continuer à jouer à ce jeu, mais. Mais je pense qu'on va s'arrêter, il faut être raisonnable. Et puis si ça vous donne envie d'y jouer, de toute façon, je vous mets le lien
du téléchargement du jeu dans la vidéo, enfin dans la description de la vidéo. Ah mais j'ai pas de Pokémon. J'aurais bien aimé qu'on obtienne un Pokémon, peut-être, ça aurait été cool, non? Ça aurait été cool, je sais pas où on peut obtenir. Bon, je sais pas quel starter on peut obtenir. Tiens, salut. Bon, en tout cas, je vais vous laisser ici quand même, faut être raisonnable. On va se laisser sous cette banderole très jolie. En plus, on en est très jolie, je trouve, avec nos cheveux violets. Et je fais V, j'ai sauvegardé. Bref, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à télécharger le jeu s'il vous a plu, hein, à suivre sur Twitter le gars qui a développé le jeu. Enfin, il n'est pas tout seul, bien sûr, mais le principal, la principale personne. Bref, voilà, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur le jeu. Il est très probable qu'un jour je fasse une vidéo sur ce jeu, mais bon, pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas la version finale. Et puis il y a plein d'autres jeux que j'aimerais faire. Par exemple, Pokémon Reborn, qui est un peu dans la même veine, un peu sombre, que j'aimerais faire et qui est plus avancé. Donc il y a plein de jeux que j'aimerais faire. C'est vrai que maintenant je ne fais plus trop de jeux hackés. Il y a quand même d'autres jeux hackés que j'aimerais vous présenter en jeu du mercredi. Et puis il y en a un autre que j'aimerais bien faire en let's play aussi, c'est Pokémon Glaze. Enfin, il y a plein de choses que j'aimerais faire. C'est pour ça que j'essaie d'être plus régulier pour finir plus d'aventures, pour pouvoir tester plus de choses. Voilà, donc je vous remercie, je vous dis à très vite, à dans 2 semaines pour ceux qui ne suivent que les vidéos du mercredi. Donc je vous dis à dans 2 semaines. Je fais un rythme de toutes les 2 semaines pour les vidéos découvertes. Et puis sinon, on se retrouve pour la suite de Pokémon Raptor X en Nuzlocke Challenge. Et puis, à un moment où ça sort, de toute façon, cette vidéo, je pense pas avoir encore remis Pokémon Christmas. Mais ce n'est pas terminé, il faut juste que je continue, il faut juste que je retourne là où j'en étais. Mais il n'est pas terminé, ça va peut-être mettre un peu de temps. C'est vrai que, comme j'ai commencé Pokémon Raptor X, j'ai un peu moins de motivation pour ce jeu. Mais il faut que je finisse. Donc voilà, bref, donc je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis dans les commentaires, et je vous dis à bientôt tout le monde, salut salut!